Alors pour cette rentrée, vous avez préparé quoi pour l'île Sud ? Donc pour cette rentrée, on a le plaisir de collaborer avec le Grand Sud. Donc pour nous, c'est vraiment un privilège et une joie de pouvoir faire partie de ce lieu culturel pour faire découvrir aux habitants d'île Sud notre passion, le flamenco. Donc on va proposer des cours de danse, guitare, caronne, et faire découvrir aux gens notre culture. Voilà. Jérôme. Alors dans les cours, il y aura plusieurs niveaux. Il y aura des niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Ça se passera le mardi et le samedi. Voilà. Ensuite, tout le long de l'année, on va organiser des stages, des rencontres, des journées spécialement découvertes pour les habitants du quartier. Notre objectif est vraiment de faire découvrir et transmettre notre culture dans le quartier de l'île Sud. Voilà. Alors on a bien bougé parce que la Peña Los Flamencos existe depuis 1984. Donc on va fêter nos 30 ans là, bientôt. On va faire une grosse fête. Surprise. C'est la surprise, mais il ne faut pas le dire. Et vous aimez bien le flamenco ? Ou c'est pour faire la fête ? Ah non, c'est juste pour l'argent. Non, c'est notre passion, le flamenco. On est tous flamenco ici. Moi, je suis musicien. Moi, je suis danseuse. Mais là, les danseuses, tout le monde participe. Qui vous êtes ? Alors, je m'appelle François Taillefer. Et je suis le professeur de caronne de la Peña Los Flamencos. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Grand Sud ? La Peña Los Flamencos, cette année, s'installe dans les locaux du Grand Sud pour donner ses activités, les cours de danse, de guitare et de percussion. Ouais. Et c'est votre passion de faire ça ? Oui, grande passion depuis bientôt plus de 25 ans, en fait. Une grande passion pour la percussion. Et le caronne, j'ai pu voyager à travers le monde pour apprendre à jouer l'instrument, entre autres en Espagne, au Pérou, et bien sûr au Canada où je suis né, où là j'ai pratiqué la musique depuis 25 ans maintenant. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Ça fait plaisir, hein? Au plaisir. Au revoir Thomas. Merci. Pour arriver à bien la faire sonner, c'est important d'être très confortable sur l'instrument. Alors, il y a différentes façons de se positionner sur l'instrument.